bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, petit podcast sympathique, nous allons discuter avec un invité de marque, l'ami Jude Melon, salut. Salut la compagnie, salut, comment vas-tu? Mais ma foi, très très bien, et toi? Ah, très 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 bien, parce qu'on va parler d'un film particulier, je crois. On a vu tous les deux The Deep House, donc réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, et on s'est dit pourquoi pas découvrir ensemble, parce que tu n'avais pas vu d'autres films des deux auteurs. Et non. Puisque c'était c'est leur cinquième, si je ne me trompe pas, The Deep House. Donc l'idée était de te faire découvrir un autre. L'idée c'est de partir un petit peu donc sur un film, sur leur premier film, puisqu'il t'avait été conseillé, il me semble, par Laura Fejanre, c'est ce que tu m'avais dit. Exactement. Laura me l'a conseillé en me disant je pense que tu aimeras. Maintenant, est-ce qu'elle a eu raison? Mystère. Alors moi j'aurais tendance à dire, j'espère que ça t'a plu aussi, parce que c'est effectivement un film qui est très différent de Deep House, pour le coup, c'est un film vraiment différent, et s'il y a des éléments, peut-être qu'on essaiera, trouvera peut-être des liens à faire entre les deux, mais on n'a pas encore cité le nom du film, je ne sais plus. Dans tous les cas, voilà l'idée, c'est qu'on va parler aujourd'hui de À l'intérieur, donc premier film de Julien Maury et d'Alexandre Bustillo. Alors pour rappeler, Alexandre Bustillo, il a été journaliste à Mad Movies, d'ailleurs il l'a été jusqu'à assez récemment, et pour le coup, donc ce sont deux compères qui... s'acharne, et je trouve que c'est très bien, à rester en France, s'échine à rester en France pour tourner du cinéma de genre. C'est tout à leur honneur, ils ont fait juste un film à l'étranger, pour le coup aux États-Unis, qui était Leatherface, donc un préquel au Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Et donc pour le coup, ça c'est leur tout premier film, donc sorti en 2007, avec donc Béatrice Dalle et Alison Paradis, et puis moult autres acteurs, donc on aura l'occasion de parler tout à l'heure, alors qui restent pas forcément longtemps dans le film, mais qui sont là, qui sont au moins là pour des caméos, on va dire ça, vu quand même leur temps à l'écran qui est quand même très très court, et qui rapidement, pour poser le synopsis, nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui au début a un accident de voiture, donc incarnée par Alison Paradis. Elle est enceinte, en ellipse, quelques mois plus tard, et on la retrouve chez elle, seule. Elle a perdu son mari dans l'accident de voiture. Dans pas longtemps, elle va accoucher, et cette dernière nuit, dans une certaine mesure avant son accouchement, puisque ça se précipite quand même, elle va être agressée chez elle, donc on est sur un home invasion, hein, par une femme étrange, incarnée par Béatrice Dalle, qui est absolument terrifiante, et qui veut lui récupérer son bébé. Voilà. Faire ça rapidement. Sachant au passage que le film a eu droit à un remake pas bien, mais ça on n'en parlera pas parce qu'il n'est pas bien. Donc je vais te laisser Julien m'en dire ce que tu en as pensé, comment tu l'as appréhendé, si ça t'a plu ou pas, et je t'en prie, vas-y. Alors il s'agit d'un film particulier et assez fascinant. J'avoue que oui, j'ai préféré largement à The Deep House, clairement. On peut faire des points communs entre les deux, genre le côté huis clos, voilà, un petit peu, hein, dans une maison, même si c'est pas la même chose. Et alors, ce qui est assez paradoxal avec ce film que j'ai aimé, c'est qu'en même temps, le souci, bon, c'est pas vraiment un souci, c'est que j'ai tout deviné. l'introduction du film, sans en dire plus, parce que en tant que tel, si j'en commence à en dire trop, je vais révéler le twist final. J'ai pas forcément un twist en soi, à mes yeux. Si on observe bien la première scène, voilà, l'accident, tu vas très vite deviner ce qui va se passer dans le film. Mais bon, à la rigueur, c'est pas grave, parce que c'est pas un film qui joue sur le twist, c'est pas un film qui joue sur l'ambiance, sur une violence, mais viscérale, qui... C'est la mort qui est dictée par la vie, ici. C'est assez paradoxal, parce que voilà, le personnage de Béatrice Dalle, on sait pas trop, elle a l'air complètement cinglée, elle veut récupérer un enfant dans le ventre de cette femme, parce que elle a pas d'enfant, ou on sait pas trop... C'est quand même assez étrange. Et ça va être un combat, justement, entre donc cette future mère de famille et celle qui aimerait être mère de famille. Et c'est terrible. C'est un film horrible, mais dans le bon sens du terme. C'est de l'horreur qui suinte vraiment par tous les pores. Très gore. Il y a des moments, voilà, on insiste bien sur les, sur quelques, oui, c'est presque du body horror, hein, par moment, d'une certaine manière, hein, clairement. Et, malgré quelques longueurs, le temps que ça arrive, parce que, bon, il faut l'avouer, il y a des personnages qui ne servent à rien. Par exemple, sa mère, donc jouée par Nathalie Roussel, qui est quand même, petite anecdote, l'actrice qui a joué la mère dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. C'est quand même, voilà, elle a changé de style ici. Le rédacteur en chef de la femme enceinte aussi. C'est des personnages qui sont pas trop là, qui sont là pour montrer surtout la solitude de Sarah qui décide de passer Noël seule. Elle a perdu son mari, elle veut voir personne, elle a qu'un espoir, c'est attendre que son enfant naisse, et il y a une femme qui va venir de nulle part, le soir de Noël, pour lui enlever ce dernier espoir qui l'accroche à la vie. Et moi je trouve que, en fait, c'est plus un drame
psychologique. Alors, c'est bien sûr, c'est horrifique, etc. Mais c'est de l'horreur dramatique et ça prend aux tripes, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc oui, malgré des défauts, malgré le fait que j'ai tout très vite deviné, ben, j'ai été cueilli quand même par côté bien terrible psychologiquement et aussi physiquement de ce film qui ne laisse pas indemne, hein, clairement. Et puis c'est bien de voir un film comme ça en France. C'est bien. C'est vrai que c'est assez plaisant, t'as tellement raison d'aller en plus. Alors c'est très référentiel en plus, hein, pour le coup c'est vrai que c'est un film qui a quelque chose de très français quand même, je trouve qu'il garde son identité française, mais qui en même temps est très référentiel, parce qu'évidemment il y a du référentiel à Argento, parce qu'il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de référentiel au giallo, au slasher de manière globale, hein, il y a des éléments aussi qu'on peut retrouver chez Carpenter aussi, donc c'est très très référentiel, mais effectivement t'as raison en disant que c'est le drame est plus mis en avant que l'horreur pure en fait, c'est... Même si effectivement c'est très très graphique, c'est hyper violent. Tu as très bien cité là-dessus. C'est un. Je pense qu'à l'époque en France, à mon avis, alors il y avait eu autant de tensions déjà, mais je pense que c'est certainement l'un des films les plus violents de l'époque et des plus gores qu'on ait pu voir en France. Et Martyr aussi, mais... Oui. Effectivement, tu as raison, il y a Martyr aussi. Mais c'est vrai que je trouve que notamment, on passera peut-être tout à l'heure en zone spoiler, mais et ça permettra justement de parler justement de ce twist que tu as anticipé. Mais il y a effectivement le climax gore, on va dire, du film, et Ah oui. particulièrement, c'est un film qui est très radical en fait, qui va vraiment au bout de son truc. Oui, puis t'as une lecture sociale qui va même au-delà du drame familial. En filigrane, t'entends aux actualités qu'il y a des émeutes ou des problèmes dans les cités, tout ça. Donc t'as la police qui tourne, qui tourne. Donc, oui, il y a une intervention policière dans le film, en deux temps d'ailleurs. Mais ce film, bah, il est là pour montrer que la police, quelle qu'elle soit, malgré donc voilà, le pouvoir de la justice et tout, ne va rien pouvoir faire face à ce drame humain. Elle va rester impuissante, elle va être au milieu de ce déferlement de gore et tout à la fin. Je trouve qu'il y a ici une lecture, c'est que, enfin, je pense, hein, c'est que quand il arrive un drame humain profond, peu importe ce qui se passe autour, rien ne pourra, on va dire, l'arrêter ou, comment dirais-je, le soigner d'une certaine manière. Parce que là, on voit bien que la femme interprétée par Béatrice Dalle est totalement folle. On essaiera de comprendre pourquoi à un moment, on en parlera à la zone spoiler. Béatrice Dalle qui adore jouer ce genre de rôle, de toute façon, hein, ça lui va bien. C'est une actrice très extrême, hein, qui aime bien se donner à fond. Mais c'est poignant, en fait, ce qui se passe. Parce que on a envie aussi de comprendre cette femme, pourquoi elle agit comme ça. Et en face, bah, la pauvre Sarah, qui est victime, alors qu'elle a déjà perdu son mari quelques mois avant, et qui là se fait attaquer presque sans raison, le soir de Noël, en plus, qui est censé être la fête, voilà, le pardon, tout ce qu'on veut, mais ici, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est pas choisi par hasard, hein, tout ça. De toute façon, le contexte Bien social, le sûr. contexte de Noël, et ça fait un beau build-up pour le final, dont on va parler après. Et en plus, c'est vrai que quand tu parlais de la partie sociale, alors c'est vrai que moi ça fait partie des défauts du film, parce que c'est vrai que moi j'ai pas dit forcément globalement ce que j'en pense, si je puis dire. Pour moi, c'est pas un grand film. Il y a plein, effectivement, on est d'accord, il y a plein de défauts. Il y a un défaut qui a été souligné dans pas mal de critiques, mais qui moi m'avait beaucoup beaucoup gêné là, quand je l'ai vu au cinéma pour le coup à l'époque, mais qui avait été souligné un peu partout, c'est que la maison dans laquelle est le personnage évolue le personnage de Sarah est très vide. Alors il y a une justification quand même narrative qui amène avec ça aussi, mais n'empêche que par exemple il y a cette séquence, tout un truc qui se passe au premier étage de la maison dans laquelle il y a une pièce qui est la salle de bain dans laquelle va se planquer Sarah tout un moment du film, et il y a juste un meuble dans ce couloir là. Et ce meuble va nécessairement servir à bloquer la porte. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments. C'est comme quand vous jouiez aux jeux vidéo, pour ceux qui, quand tu joues aussi à Resident Evil, par exemple, où tu avais les décors en 3D précalculés, et tu avais les choses avec lesquelles tu allais pouvoir interagir, donc les trucs qui étaient en 3D temps réel, qui ressortaient du décor, et tu savais que tu allais devoir les utiliser. C'est presque ça, c'est presque construit comme une forme de jeu vidéo Home Invasion avec même des PNJ, les policiers C'est qui vrai. débarquent, hein, c'est pratiquement ça. Il y a des gens au milieu qui n'ont rien à faire là, le rédacteur en chef, etc., qui pour le coup, le film se concentre sur ces deux femmes. Tout ce Tout à qui se fait. passe autour, c'est construit de manière à ce qu'on s'en fiche pour qu'on se ressente sur ces deux femmes-là. Mais est-ce que c'était utile du coup d'autant caractériser ceci de cette façon? Ça, voilà, par exemple, les petits dialogues qu'elle a avec sa mère ou son rédacteur-chef qui font très téléfilm ou série policière, voilà, des trucs comme ça.
Est-ce que c'était utile? Là, on a le cachet français, mais peut-être pas le bon côté du cachet français, par exemple. Mais c'est peut-être aussi pour nous montrer qu'il y a une réalité à côté, qu'elle soit sociale, qu'elle soit pour le boulot, la famille, et que de l'autre côté, il va se passer quelque chose de totalement impromptu qui va plonger le personnage principal dans une horreur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, alors que pourtant, elle en sort de l'horreur psychologique déjà d'une certaine manière, parce que l'accident qu'elle subit au début, on voit son mari pas décapité, mais pas loin, on va dire, embroché par... Enfin, pas un pic à glace, c'est pas Basic Instinct, mais par un morceau de vitre. Voilà, c'est de quoi être traumatisé à vie. Et puis, comme tu dis, il y a ce côté social en plus qui est... Effectivement, il y a ce côté, ce qui va arriver de manière impromptue. Et il y a ce décalage en plus qui se crée entre, effectivement, la réalité sociale et puis ce côté, en fait, quasi fantastique de ce qui se passe dans la maison, en fait, puisque la... Il y a des choses, peut-être qu'on en parlera dans la zone spoiler, mais il y a des choses qui sont, notamment avec le personnage de Nicolas Duvauchel, qui est interprété par Nicolas Duvauchel, où là, on flirte vraiment avec le fantastique. Et même, je dirais que le plan final du film est quasiment, il y a une sorte de poésie macabre, morbide, qui sort de ce truc-là, qui fait qu'on est quasi dans le fantastique aussi. Le côté fantastique, il est intégré par le personnage de Béatrice Dalle. Oui. Parce que, déjà, elle apparaît comme une... On voit pas son visage. D'ailleurs, Sarah essaie de prendre en photo, elle voit rien. Le visage de cette femme n'est dévoilé que quelques minutes après. C'est presque une apparition de sorcière ou de fantôme. Voilà, on se demande si c'est réel, quoi. D'ailleurs, en plus, elle connaît le prénom de Sarah, elle sait qu'elle a un enfant. Tout à fait. Donc, voilà, Sarah, elle pète un plomb. Hein. On peut même, au début, on peut se poser la question si Sarah ne pète pas un plomb ce soir de Noël, toute seule et tout sans son mari, si elle n'a pas des illusions, quoi. Très vite, on se rend compte que ça va au-delà de l'illusion. Et c'est marrant, t'as parlé de Nicolas Duvauchel, on a un autre PNJ, entre guillemets, qui est interprété par Tahar Rahim, qui a fait du chemin depuis. Oui. Oh que oui! Voilà. Qui est même l'un des favoris pour les prochains Oscars, hein, pour le film désigné coupable, là, donc, comme quoi. Ah oui, aussi, l'apparition, ah ça, je sais pas ce que t'en penses de cette infirmière qui parle de la naissance. Ah, j'en ai eu quatre, le premier c'est le plus dur, tu m'étonnes. La première naissance, ça va être très dur pour Sarah, potentiellement, on le sent venir. Et cette actrice qui joue l'infirmière, c'est Dominique Fraud, et elle joue dans Titan, un personnage très particulier. Je sais que t'as pas encore vu Titan, au moment où on fait ce podcast, mais tu la reconnaîtras, je pense. C'est une gueule du cinéma, hein, Dominique Fraud. Et qui est la sœur de Catherine Fraud, au passage. Et oui, et c'est ça qui est... Parce qu'elle lui ressemble pas vraiment, en fait. Hein. Enfin, un petit peu, peut-être, au niveau de la bouche et tout, mais voilà. Tu verras le personnage qu'elle joue dans Titan. Une dame âgée, j'en dis pas plus. C'est particulier. Voilà. Mais c'est assez marrant parce qu'ils utilisent pas mal le. Quand tu verras, peut-être t'exploreras le reste de leur film. Oui, ils utilisent pas mal d'acteurs français comme ça à contre-emploi. Notamment dans le film qu'ils feront quelques années plus tard qui s'appelle Livid, dans lequel... qui est un film de vampire dans lequel il y a Catherine Jacob qui joue un personnage aussi important. Donc, Marie-Claude Pietragrella, pardon, aussi. Donc il y a plein d'acteurs comme ça qui sont intéressants parce que justement, comme je disais tout à l'heure, ils les extirent du cinéma français, ils essaient de les utiliser de manière complètement différente, dans un cadre complètement différent. Et effectivement, là où Béatrice Dalle s'inclut très bien dedans, parce qu'elle avait fait Trouble Every Day de Claire Denis, genre qui étaient déjà des films, on va dire, à propension horrifique, là effectivement, il y a des acteurs qui sont complètement utilisés différemment. Ou alors qui commencent, comme tu disais, avec Tahar Rahim, par exemple, qui ne. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on bascule dans une zone spoiler pour pouvoir... Je pense qu'on va pouvoir y aller dans un spoiler, on va se faire plaisir. Et bien maintenant, dans ce cas-là, spoilons comme des porcs, c'est parti. Alors oui, bon, j'ai quand même très vite deviné. Oui. Le fait est que c'est construit pour qu'on devine. Je pense que c'est pas voulu qu'on nous laisse un twist et tout. L'accident, tout ça, donc Sarah, on la voit presque, elle est KO, elle voit son mari mourir... Et la voiture en face qui est rentrée dedans, on ne sait pas qu'il y a dedans. Très vite, j'ai compris que c'était donc la femme jouée par Béatrice Dalle. Et en effet, tout premier plan, on voit le bébé. Elle parle à son bébé et c'est Béatrice Dalle hein, qui parle à son bébé. Voilà, visiblement, on ne sait pas trop. On ne sait pas d'où elle vient et tout, mais elle a dû fuir son mari. Elle a dû avoir un truc assez dramatique. Et elle dit rien pourra nous séparer et tout. Et bim, on voit l'accident. Et on voit donc caméra intérieure utérus. Oui. J'aime bien l'idée. Et on voit le bébé se cogner et mourir. Et c'est le bébé de Béatrice Dalle. Oui. Qui meurt au début. L'autre survit. Et c'est pour ça qu'elle va voir Sarah parce que il s'avère que Sarah est responsable. Apparemment, l'accident, c'est à cause d'elle qu'il a eu lieu. Enfin, on sous-entend ça. Et du coup, on comprend que la femme jouée par Béatrice Dalle lui en veut. Enfin, on comprend. On arrive à avoir de l'empathie. Oui, tout à fait.
Et alors, ce qui est assez, alors il y a un truc qui va peut-être pas, mais pourquoi pas, hein, ça fait partie du côté fantastique de ce personnage, c'est que Sarah dit à un moment, mais on m'a dit que vous étiez morte, que vous n'aviez pas survécu. Est-ce qu'elle viendrait donc d'outre-tombe, peut-être, pour faire cette vengeance? On pourrait élaborer de toutes les théories possibles dans le fantastique, là, mais c'est vrai que c'est très étrange quand elle dit, mais on m'avait dit que vous n'aviez pas survécu. C'est bizarre, normalement, dans un cas comme ça, il y aurait eu procès et tout derrière, enfin, je pense, quoi. Mais c'est vrai qu'elle, c'est quasiment un personnage fantastique parce qu'évidemment il y a, je pense qu'aussi il y a la référence à Carpenter avec le personnage de Michael Myers, qui est une instance fantastique, qui est un concept et qui est pas vraiment un personnage de chair et de sang. Et là effectivement elle a une manière d'apparaître quasi fantomatique, parfois en fond de plan comme apparaît Michael Myers aussi, mais avec ce physique et notamment sa manière de s'habiller qui est pour le coup très très italienne, très giallesque. Oui. Et effectivement, il y a ces côtés-là où qui sont très. Alors, il y a ce que tu dis, ce truc-là, effectivement, où elle dit qu'on lui avait dit qu'elle était morte. Il y a aussi ce personnage de Nicolas Duvauchel, qui est un policier, et qui est donné pour mort parce que sa tête explose, avec un effet spécial qui est pas ouf, parce que je crois qu'à mon avis, il n'est pas terminé, l'effet spécial, mais ça a été fait un peu rapidement. Mais pour le coup, il va se relever tel un zombie. Ah oui, bah la fin, c'est vraiment un film de zombie, quoi. C'est très très C'est étrange. les yeux explosés, mais il a le cerveau en miettes, et il va quand même marcher quelques instants. Et oui, il y a un combat de zombies, parce qu'en plus, le personnage de Béatrice Dalle est à moitié brûlé, Oui. c'est pas loin de la colline à des yeux, enfin, c'est vieux. La fin, on sort du naturel, et puis bon, le dernier plan, Magnifique. alors, bon, recontextualisons, bah, Sarah, elle va mourir, Oui. bon, déjà, l'héroïne meurt, bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais ouais, voilà. Et donc, avant de mourir, qu'est-ce qu'elle va faire, la femme? Elle va extirper le bébé. Naissance, on va dire, assez violente. Et le bébé, visiblement, a survécu, peut-être pas longtemps. Et le dernier plan, c'est le soir de Noël, une femme avec son enfant dans les bras qui vient de naître. Ouais. Petit côté relecture de la naissance du Christ, là, mais d'une manière particulière. Parce que pour le coup, cet enfant, il vient de nulle part pour la mère, pour la femme. Hein. Du coup, c'est pas son enfant. Enfin, c'est particulier. C'est oui, il y a une lecture christique à la fin. Alors, je sais pas quel a été le message au final. C'est peut-être un clin d'œil, peut-être pour rajouter du dérangement, on va dire, à l'ensemble. Et oui, la fin est complètement folle. Pour moi, c'est ce qui sauve ultimement le film. Tu vois, avant la fin, j'étais là en mode bon, là, il va falloir quelque chose de costaud quand même. Et en effet, le duo Bustillo-Mori arrive à finaliser son film de façon. Ouais, on ne peut pas oublier ce film. Même les défauts, tout ce qu'on peut avoir C'est sûr. avant, le final est réussi. La scène d'intro est assez logique quand on y pense. Donc finalement, c'est un bon début, il y a une bonne fin. C'est un bon film d'une manière ou d'une autre. On est d'accord. Effectivement, il y a ces bourrées de défauts partout. Il y a plein de trucs faits qui paraissent inachevés. Il y a plein de trucs évidemment en termes d'écriture et qui parfois tombent un peu comme ça. Tu sais pourquoi? Il y a beaucoup de personnages, tu disais, fonctions, qui rentrent et qui sortent, qui sont juste là pour être de la chair à canon, pour se faire démonter la gueule par Béatrice Dalle, parce que c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très jouissif aussi, hein, de voir Béatrice Dalle démonter des gens, c'est marrant. Mais effectivement, il y a ce climax, en plus il y a une montée quand même en crescendo de la violence, avec elle qui va se faire effectivement cramer le visage, qui a quelque chose de totalement monstrueux à la fin. Tu parles de la colline à des yeux, effectivement, elle devient complètement difforme, et avec ce plan final, effectivement, sur cette femme qui se balance dans son rocking chair, complètement difforme, absolument horrible. Et puis effectivement, il y a ce plan extrêmement radical, parce que quand même l'accroche du film, c'est de te dire que tu vas voir une femme en éventrer une autre, hein, c'est ça l'accroche du film, et le film va jusqu'au bout. Et ça que je trouve fort aussi, c'est qu'il ne s'arrête pas en disant, bon, je vais faire semblant, elle va s'en sortir, ça va être une final girl. Et elle va démonter. Non, jusqu'au bout. On t'avait prévenu, on t'avait promis, on t'avait prévenu un éventrement à la fin d'une femme enceinte. Et bah, tu as ton éventrement de femme enceinte à la fin, avec un plan zénithal qui descend les escaliers, avec ce sang qui coule le long des marches, qui est hyper impressionnant et qui physiquement marche très très bien. Et ça en fait un plan que tu n'oublies pas, effectivement. Mais t'as une fin qui fait très épisode des Contes de la Crypte, quoi. J'aime bien cette idée. C'est-à-dire que ça va au bout du truc. C'était un peu moins parodique quand même, Oui. pour l'avouer. Mais ça va loin dans le. Ouais, quand même, on y est, quoi. Ça, c'est le genre de film. Tu fais très années 90 en soi. Et le fait qu'ils soient sortis en 2007, c'est amusant d'une manière ou d'une autre. Mais pas forcément années 90 en France. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, c'est. Cette fin, elle est brutale. Et puis le titre du film, quand on y pense, il est à double sens, quoi. À l'intérieur du ventre, à l'intérieur de la maison.
Et c'est, tu as presque envie de savoir ce qui va leur arriver après. Oui, c'est vrai. À mes enfants, mais à mon avis, officiellement, techniquement, à mon avis, ils crèvent dans l'heure qui suit, hein, mais au moins, elle aura eu un moment de vie avec son enfant. Ça, c'est pour ça que le plan final est très finalement est assez touchant en fait. On a de l'empathie pour ce personnage-là. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah, elle a tué plein de gens et tout. Mais elle a quand même réussi à avoir son enfant au final. Donc elle peut mourir heureuse d'une manière ou d'une autre, parce que je pense qu'elle va pas. Franchement, l'enfant déjà, il va pas survivre longtemps, je pense. Non. Bon, là. Et elle était pas en grande forme, on va dire ça comme ça. Il y a un plan qui est très. C'est presque. Elle a un visage, c'est un fric, ça, à la fin. C'est vrai qu'à ce côté-là, oui. Qui. Ah oui, t'as du film monstre total à la fin. C'est le petit Jésus en mode frix avec la Vierge Marie en mode frix. Ah bien sûr, si m'a pas mettre entre tous les yeux, d'accord, je pense. Ah oui, c'est sûr. Bah déjà visuellement, il faut être accroché. S'il y a certaines personnes très religieuses et tout, à mon avis, à la fin, ils vont grincer des dents quand même, parce que ça se voit direct qu'à cette analogie-là. Mais oui, mais c'est dérangeant parce que ce film doit l'être dans sa conclusion. Voilà. Bien sûr. C'est quand même un drame total. Des mères avec leurs enfants qui perdent leurs enfants d'une manière ou d'une autre. Les deux, au final, perdent leurs enfants. Et voilà. Et meurent aussi. Parce que la femme, donc jouée par Béatrice Dalle, qui n'a pas de nom, c'est pas un hasard non plus. Elle est morte le jour de l'accident quand elle a perdu son enfant. Là, c'est un dernier sursaut de vie. Peut-être même. Moi, j'y tiens à cette hypothèse. Elle sort peut-être même de la morgue. Enfin bon. 2 mois après, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle sort, on ne sait pas où, aussi bien. Elle a été super bien reconstituée par le. par le médecin légiste. Mais, on peut imaginer, hein. Mais aussi bien, elle revient d'entre les morts juste pour avoir son enfant et remourir tranquille et être en paix. C'est presque une apparition fantomatique en soi, d'ailleurs. Oui, c'est l'incarnation de la culpabilité aussi de cette femme. Et oui! Ça peut être tout. Oui, bah, Sarah a tué. Si elle est responsable de l'accident, Sarah. Oui. Elle a tué son mari aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'elle se refuse, elle est seule, elle refuse de fêter Noël et tout. Je pense qu'elle a cette culpabilité déjà là, et de cette femme qu'elle pensait être morte en plus. Donc fatalement, là, à la fin, au final, c'est elle la méchante. Je sais pas, regardez pas au volant, il faudrait que je revoie la scène du début, je sais pas ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a brûlé un stop, un feu rouge, ou une connerie comme ça. Elle est très ambiguë, hein, la scène d'accident est très ambiguë. Oui, voilà, mais c'est volontaire, on sait pas qui est responsable, mais sur la fin, t'as quand même envie de te dire, ouais, s'ils ont fait mourir Sarah à la fin, c'est que c'est probablement elle la responsable et qu'elle a tué son mari, elle a survécu, elle a tué cette femme ou pas, elle a tué l'enfant de la femme et tout, qui correspond à la mort de cette femme, parce que même si elle a survécu, elle était morte à l'intérieur d'elle-même, hein, à l'intérieur encore. Donc, au final, bah, oui, revenge movie, tout ça aussi. Oui, et, bah, tout le monde meurt, au final, je pense. Oui. Parce qu'à la fin, il y a même qui vivent, si ce n'est que même si la femme survit avec son enfant, de toute façon, la police va redébarquer, c'est évident. Oui, bien sûr. Pour être leur collègue, elle va, de toute façon, elle passera sa vie en prison, au mieux, quoi. Et au passage, alors, petite question comme ça, parce que concernant la frousse aussi, parce que alors, moi, c'est un film que je trouve qui me fait peur, parce que c'est Home Invasion et que fondamentalement, la Home Invasion, il n'y a rien de plus terrifiant que d'imaginer quelqu'un qui rentre chez toi. Et qui va t'agresser là où tu sens, où tu penserais être le plus en sécurité. Est-ce que toi, tu as eu, est-ce que ça a suscité chez toi une angoisse ou de la peur? Ben oui, surtout que tu sens que ça va mal se terminer très très vite en fait. Et oui, c'est en fait il y a le crescendo qui va, ouais. Peut-être même trop crescendo à un moment parce que voilà, elle sonne, elle s'en va, elle revient, voilà. Mais tu sens très vite que ça va être très brutal. Et à la place de Sarah, du coup, Alison Paradis, elle joue très bien cette peur-là aussi. Mmh. Alison Paradis, qui est la sœur de Vanessa Paradis, au passage. Mais là, c'est plutôt Alison Enfer, hein, jusqu'à lui. Oui, la musique. Mais non, c'est très bien joué de la part des actrices. L'une qui est complètement en mode vengeance totale, et l'autre qui subit, mais qui comprend très vite. Voilà, elle comprend très vite que de toute façon, elle a ce qu'elle mérite d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est terrible. Enfin, on le sent que. Que de toute façon, elle portait cette culpabilité en elle, et que c'est pour ça qu'elle refusait tout contact ou presque. Bon, elle avait sa mère et sa rentrée rédac chef, mais c'est la déprime totale, quoi. Et oui, la fin, bon, au-delà même de faire peur, ça reste en tête, les images, quoi. Côté zombie à la fin, certains diront que c'est trop putassier, peut-être. Mais ça colle parfaitement à ce final qui va crescendo on sort de la réalité, quoi. Donc,
Et oui, ce plan final qui est vraiment marquant quand même. Franchement, c'est un plan qui pourrait être tout droit sorti de la colline à des yeux, Tout la à fin. fait, ouais. On peut imaginer ça. Mais ouais, c'est ça serait amusant de voir à l'intérieur, 15 ans après, on apprend que le gamin a survécu en mode défiguré et tout. Mais en même temps, c'est vrai que dans la colline à des yeux, c'est un bon exemple en plus, puisqu'il y a un vol de bébé dans la colline à des yeux, effectivement. Oui, Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir. Alors, le film, La Colline à des yeux, le remake d'Aja est sorti juste avant, il me semble. 2006, donc oui, hein, l'année d'avant. C'est peut-être possible qu'il y ait eu. Après, voilà, c'est peut-être sûrement des influences de Wes Craven à la base. Puisqu'il y a un petit côté Scream aussi, quelque part, si on veut. Côté Home Invasion et tout, bon. Mais il y a Même côté si là, on... slasher, Home Invasion, il y a plein de genres qui se croisent, en fait. Mais ouais, la fin. Ouais, moi, j'imaginerais une suite, tiens, ce film. Pourtant, c'est idiot, hein, tu vas me dire. Et 15 ans après, le fils, mal formé d'une manière ou d'une autre, essaye de retrouver cette mère qui l'a sortie de force. Et qui aurait survécu. Et hop, il retrouverait Bethesda, la plus âgée, qui elle serait complètement défigurée aussi. Ça pourrait faire un truc très violent. Très étrange, ça aurait pu être intéressant. Ah, mais ça pourrait être génial. Enfin, je sais pas. Deux frics qui s'affronteraient. Moi, je sais pas. Bon, après, évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais peut-être que si messieurs Maury et Boussillot nous écoutent, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Ou du moins un petit moyen ou un court-métrage pour le fun. Ce serait intéressant, c'est vrai. Bon, Béatrice Dalle, elle dirait pas non, en plus, je suis sûr. Bah, elle a joué régulièrement chez eux aussi, hein, tu la retrouves dans la plupart de leurs films, hein, il me semble, à l'exception de Deep House, mais dans les autres films, et pas dans Massacre à Tronçon, enfin dans Leatherface, mais dans les autres, elle joue, notamment aussi dans un court-métrage qu'ils ont fait pour ABC of Death aussi, donc elle est dedans aussi. Et il me semble qu'ils s'entendent très très bien, c'est quelqu'un, elle est un petit peu comme Mylène Farmer, c'est beaucoup attachée à Pascal Laugier pour Ghostland, il me semble Oui. qu'ils sont restés très très proches. Non, mais pourquoi pas, après, voilà, évidemment, c'est un petit fantasme comme ça, Bien pas sûr. sûr que ça apporte grand-chose, mais tu pourrais imaginer un petit scénario, voilà. Après faire tenir un long métrage dessus, bon. Peut-être plus difficile. Oui, effectivement, c'est peut-être plus difficile. On sait jamais, ils y sont arrivés avec The Deep House, hein, donc. Mais alors justement, est-ce que ça te fait mieux comprendre la démarche de Deep House ou est-ce que pour le coup, c'est pour toi deux expériences complètement différentes, effectivement, et on peut aimer l'un et ne pas aimer l'autre et vice-versa? Alors, le contraire contrairement à The Deep House, là, dans The Deep House, j'avais pas du tout deviné la fin. Moi, je pensais qu'il allait partir sur un autre délire. Hein. Mais, par contre, là aussi, dans The Deep House, il y a des scènes au début qui renvoient à la fin, d'une manière ou d'une autre. Notamment, sans en dire plus pour pas spoiler The Deep House, la scène de la baignoire et retenir sa respiration. Tout à Voilà, c'est fait. un détail. Mais je trouve que The Deep House, le problème, c'est que ça joue beaucoup sur l'ambiance, l'atmosphère qui réussit à ce niveau-là, hein, clairement, hein, dans cette maison aquatique, mais sur tout ce qu'il y a autour. On sent qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés un peu pour faire long métrage. Tu sens que ça aurait pu faire un très bon moyen métrage. Mais voilà, le guide français, là, qui tombait par hasard sur lui. Après, je le reverrai peut-être un jour de Deep House, mais plus tard. Oui, non, je Plus comprends, oui. tard. En fait, j'ai vu le concept qui était vraiment profond, sans faire de mauvais jeu de mots. J'ai été peut-être un petit peu déçu par l'exécution et la finalité du truc. Mais bon. Je trouve qu'à l'intérieur, pour le coup, il y a une plus belle constance, même s'il y a plus de maladresse, de mise en scène à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui va viscéralement jusqu'au bout, alors que The Deep House, la fin fait presque parodique, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Mais bon. Et bon, il y a le côté huis clos, quand même, qui revient, hein, dans une maison, mais il y a le côté potentiellement mystique, on sait pas trop. Même si là, à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus dans le drame familial et social. C'est vrai que oui, pour le coup, il est vraiment ancré dans une réalité, peut-être plus que The Deep House qui va assez vite basculer dans le fantastique. Et tu verras si tu vois pour le coup leurs autres films qui sont aussi très ancrés dans une réalité sociale. Je trouve que justement, c'est peut-être d'ailleurs le défaut, peut-être parfois dans l'intérieur, c'est quand vraiment il veut s'attacher à décrire une réalité sociale très précise, qui est notamment la situation des banlieues, qui avait aussi été traitée dans Le Frontière de Xavier Jeansz. Ces passages-là sont. Qui en plus de, sont quasiment, il y a ces deux jeunes où on est quasiment du comic relief juste sur ces quelques séquences-là. C'est là que ça fonctionne un peu moins bien, je trouve. C'est pour tordre le cou aussi à l'époque, parce qu'il y a le jeune donc qui est arrêté par la police et tout là, qui va finalement être plus héroïque que la police un petit C'est vrai, moment, voilà. oui. Mais on n'en fait pas grand-chose au final, voilà. Voilà. Je pense que c'est plus un message politique qu'ils avaient voulu faire passer à l'époque, mais est-ce que ça apporte quelque chose au film? Je ne sais pas. Mais on était dans la période Sarkozy, donc une période qui a beaucoup, je pense, Je traumatisé. pense qu'il y avait un message là à peine caché. En plus, c'est sorti, mais pile, enfin.
Enfin, un peu après les élections présidentielles. Tout à fait. Et c'est pour ça, si tu as vu Frontières de Xavier Jean, on est exactement dans le même genre de crainte vis-à-vis du gouvernement Sarkozy. Je ne l'ai pas vu, je crois que c'est avec Samuel Le Bihan, c'est ça? Tout à fait, oui. Et ça sera intéressant que je le vois, parce que Samuel Le Bihan, dans un rôle comme ça, ça peut être particulier, je ne sais pas. Okay, pour le coup, ouais, moi je trouve le côté fort du film, ouais, il fonctionne très bien dedans. Donc ça va pouvoir refermer la zone spoiler. En tout cas, merci à toi. Alors, est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Qu'est-ce que tu pourrais conclure, tiens, sur le film? Comment tu conclurais, toi, de ton côté, ta découverte, ce que tu en as pensé globalement? Peut-être, est-ce que ça te donne envie de découvrir le reste de leur filmo? Je te laisse conclure. Alors, fondamentalement, oui, je pense que je découvrirai à terme le reste de leur filmo, parce que c'est quand même des réalisateurs qui ont leur vision, qui comptent des choses. Et dans le paysage cinématographique français, bah, c'est pas du luxe, même si ces derniers mois, là, on a été bien servi d'ailleurs. Eux, ils vont avoir le vent en poupe, là, en ce moment, parce que, avec le succès de Julia Ducournau, les Teddy, les La Nuée, etc., à mon avis, voilà. Mais, ce que je dirais, c'est que si vous avez envie de voir un bon home invasion dramatico-horrifique à la française, n'hésitez pas, parce que je pense que si vous aimez vraiment ce genre de métrage-là, vous allez être saisi, puis accrochez-vous sur la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si vous avez l'habitude, je pense que la fin fera son bel effet. Et, un film peut-être pas à trop regarder tard le soir, quand même. Voilà. Et pas après manger aussi, enfin pas en mangeant, c'est... Et pas le soir de Noël, seul, parce que ce serait bizarre. Oui. Et si tu avais, comme je sais que sur ta chaîne, tu mets une note souvent pour des impressionnés, si tu me donnais, t'avais une note à donner pour le coup Alors, je lui donnerais un bon 7 sur 10. Oui. Voilà, ça me paraît honnête, parce qu'il y a quand même des petits défauts, des longueurs, un petit côté téléfilm par moment, ou police judiciaire, c'est presque ça, mais bon... En dehors de tout ça, au moins, il y a quelque chose de fort, c'est sanguinolent, c'est dramatique, il y a une finalité qui est poignante, donc oui, je pense que ça mérite un bon 7 sur 10. Et, du coup, c'est meilleur que The Deep House pour moi. Ouais. Mais je peux comprendre, c'est vrai que c'est deux films qui sont, pour le coup, qui sont très différents, hein, ceci, il y a des éléments qu'on retrouve, mais je pense que quand tu verras leurs films suivants, Livid, c'est leur troisième. Il y a plus d'écho dans The Deep House par rapport à Livid, je trouve, notamment esthétiquement, que par rapport à celui-ci. Mais voilà, ce serait à voir, il faudrait que tu me dises ce que tu en penses quand tu auras l'occasion de voir Livid, film tourné en Bretagne. Oui, je pense que je le verrai un jour, ce sera peut-être l'occasion d'en parler ensemble aussi d'ailleurs. Mais on peut se faire Mickey sur ta chaîne et Busty et Maury, alors ça va être plus rapide, évidemment, sur ma chaîne c'est possible. C'est sûr qu'il y en a un, dans 20 ans, il y en a encore. Oui. Alors, le 43e métrage de Takeshi Miike. On n'aura pas fait 50%, non? Non, mais oui, de toute façon, ils en feront d'autres, Bustillo Mori, je pense. Oui, oui. Là, c'est sûr, même. Là, ils sont lancés. Je crois que The Deep House a eu son petit succès aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Mais c'est bien, voilà, qu'on aime ou pas un film, de toute façon, moi, je suis content quand ce genre de métrage fonctionne au cinéma. Oui. Ça change... d'autres choses, on va dire, c'est comme ça. Alors celui-là qui est malheureusement au passage, pour juste faire une petite parenthèse sur la sortie, c'est un film qui a malheureusement, en tout cas à l'intérieur, pas très bien marché à l'époque. Ouais. Mais ça les a pas empêchés de continuer et d'être, quand on les voit en interview, c'est des gens ultra passionnés et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tu sens que c'est des amoureux de cinéma de genre. D'ailleurs, Alexandre Bustillo était connu aussi dans Mad Movies à l'époque pour être un amoureux des films un peu mal aimés, des films un peu branques. Un film malade. Bien. Voilà, des films. Ouais, ah oui, c'est bien. Des films malades, très bien. Et dans une certaine mesure, on peut voir à l'intérieur, à ce côté, un petit peu malade. De par ses défauts, voilà. Ses maladresses, mais en même temps, il est hyper, émotionnellement hyper fort. Parce qu'on rappelle à ton auditoire, tu aimes beaucoup les films malades et aussi la nudité des personnes âgées. Mais oui. Malheureusement, ici, il n'y en a pas. Non, malheureusement, voilà. On a. Non. Mais ça, c'est mon amour du body horror aussi qui fait ça, je pense. Et effectivement, il y a des côtés body horror dans celui-ci aussi. Ouais, clairement. En tout cas, je vais te remercier beaucoup pour cet échange, c'était vraiment cool. Et merci Romain de l'invitation. Mais ce fut un grand plaisir, et puis on se retrouvera pour un autre échange, un autre podcast, et pour le coup, il y en a une, alors je mettrai le lien en description aussi, puisqu'on a fait une impro ciné critique sur ta chaîne, continuant nos pérégrinations chez Takeshi Miike. Oui, et puis on a un appel avant aussi, voilà, c'est pas notre première collaboration. Voilà, c'est... tout à fait. Je pense qu'on a dépassé les deux doigts des mains. Les doigts des deux mains, je vais y arriver. Oui, je pense que si on compile sur la deux chaînes, oui, on a dû dépasser. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de mettre tous les liens en description, tout ça serait cool, comme ça si vous voulez bondir d'une discussion à une autre,
ça peut être très cool. Et puis en tout cas, merci à toi encore, et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis bah, je vous fais des gros bisous à tous, et puis gros bisous à toi, Julien. Merci, et toi aussi, et puis à bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. Salut.